Bon, on est de retour sur Digimon Survive. Menu très 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 vide en soi. Je crois que c'est la première fois que j'ai un menu de démarrage vraiment aussi vide. C'est assez particulier. Pourtant, les anciens jeux Digimon avaient des menus, des écrans titres un peu plus développés, quoi. Là, c'est même plus que c'est sobre, hein, c'est que c'est vraiment vide. Hein. Là, c'est vraiment vide. Donc, rappelez-vous, on est dans l'école tard le soir, il se passe des choses bizarres. J'avais fouillé et tout, il reste celle des profs, couloir du deuxième étage. Couloir, d'accord. Ah, voyons le couloir du deuxième étage. Ça a l'air d'être ici. Alors, truc un peu étrange, le jeu, vraiment, les devs, ils n'y ont pas apporté forcément énormément de soins après sa sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'ajout. Hein, on aurait pu avoir Vimon, qu'on appelle aussi, je crois, en japonais Buimon. Les noms sont différents des fois. Qui n'est pas présent. Cependant, on a par exemple. Alors, moi, je l'avais, parce que je l'avais pris avec. On a par exemple Guildomon. Guilmon plutôt. Qui est le starter du héros principal de la troisième génération. Mais on n'a pas celui de la deuxième, alors je sais pas. Je sais pas, peut-être que Digimon Adventure a peut-être pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, mais bon. Revenons plus tard. Ouais. Bien vu, Captain Obvious. Écoute le Vélociraptor orange. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Écoute-le. On se tire et on les laisse tous ici. C'est comme ça, on reviendra tout à l'heure. Vous inquiétez pas, d'ici demain il y aura des modifications. Je suis dégoûté parce que je devais en plus aller à la fac et passer, mais mon dos est pété, c'est-à-dire que là m'asseoir n'est pas une option. À part m'asseoir en tailleur, mais bon. Sont balèzes, ces poils d'araignée. C'est balèze, hein. Si même ses griffes n'y arrivent pas. C'est quelle touche. M'a pas l'air d'y avoir autre chose. Attendez une minute. Heureusement que les temps de chargement durent moins d'une seconde, parce que sinon, si à rajouter au reste, ça aurait été chaud quand même. Y a rien là? J'ai l'impression d'être dans Project Zero. C'est très étrange. Donc on a vu le couloir du deuxième étage, on a vu toilette, celle des profs. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a quand même vachement de poils d'araignée. Hein. Là, à ce stade, Jiraigumo, vas-y, viens, viens. Alors, vous m'excuserez, du coup, je suis allongé, hein, donc ma voix est peut-être un peu différente. Ouais, c'est vrai, pareil. Un baume. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. J'ai pas en faire de précision, c'est gentil, merci. Va être l'occasion de tester les nouveaux.
T'inquiète, je sais. Putain, dommage que je puisse pas les renommer, tu sais, je dois renommer Eren. Forçons le passage, vous allez vous calmer. Hein. Par contre, je sais pas si comme dans... Est-ce que comme dans Pokémon, ils peuvent avoir plusieurs... Ah, il y a un truc là-bas. Ils peuvent avoir plusieurs attaques. Parce que s'ils en ont qu'une, c'est un peu la merde. Hein. Parce qu'avec une attaque, tu vois... Une attaque, parce que ils ont l'attaque au corps à corps, mais après, il n'y a rien d'autre. En dehors de par exemple, boule de feu pour l'un, etc. Donc j'espère pour eux qu'ils ont autre chose, hein. Sinon ça va être compliqué. Hein. Parce que bon, Fire Emblem Like, bon ok, d'accord. Alors je dis ça, mais je sais pas si tous les autres jeux Digimon fonctionnaient aussi comme ça. Ça se trouve vraiment, c'était le cas. Peut-être moi, parce que moi j'en ai joué qu'un seul, hein. Ou deux. Non. J'en ai joué à deux. Je crois un sur DS ou Game Boy, mais je sais plus c'était lequel. Mais du coup, peut-être je connais pas et en fait. C'est toujours le cas. Si c'est toujours comme ça, c'est quand même une idée de merde. C'est-à-dire que bon, c'est quand même mieux d'avoir plusieurs attaques en général. Hein. Imaginez si, je sais pas moi. Genre, je sais pas moi, imaginez Pikachu qui n'a que charge et éclair. Ça va pas aller loin, hein. C'est, ça va pas être ouf, hein. Ça va pas être ouf, oui, ça va pas être ouf. Après la foudre sur un type foudre. Voilà. De le bloquer entièrement. Ouais, mais vu la gueule de l'école, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas le bon plan d'essayer de manger ça. T'as l'air d'être là, vraiment. De tout le monde d'ici, ou de genre tout le monde de notre époque, parce que c'est pas la même. Genre c'est les vôtres? Si c'est les vôtres, oui, c'est chelou. Censé m'aider. Bah, le prof adjoint, comme c'est écrit en fait. Il est con. Alors je sais pas si c'est vraiment parce que bon, il y a un truc qui peut jouer là-dessus. Étant donné que
il est fait mention qu'on est à une époque vraiment très 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 éloignée. Le fait de retourner vraiment sur les Digimon premiers du nom, ouais, ça peut s'expliquer grâce à ça, mais le truc, c'est de réussir. Enfin, si le roster il est composé que d'une centaine de Digimon, à ce compte-là, il valait mieux prendre les plus populaires de chaque génération. Parce que je saurais pas dire, mais je crois que le concept de temps, pas un truc qui soit vraiment, vraiment. Soit vraiment important pour les Digimon, c'est-à-dire que je pense pas qu'ils comptent les années et tout. Pour eux, le temps, c'est pas comme nous qui avons des époques, enfin des ères, des époques carrément, l'ère antique, enfin l'époque antique, l'époque, enfin les différentes quatre grandes ères. Enfin, moi je dis ère, époque, ça dépend comment vous le prenez, parce que techniquement, par exemple, la Renaissance se passe pendant l'ère moderne. Mais la Renaissance, c'est quelque chose de précis. C'est un peu comme si tu zoomais, en fait. Par exemple, t'es à l'époque moderne, t'arrives, t'es sur le, je sais pas moi, le beau 16e siècle, qui est une période précise de l'époque moderne. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir essayé de miser sur une ambiance un peu plus sombre pour Digimon, parce que bah, Pokémon n'y arrive pas. Ils peuvent pas. Ils arrivent pas à aller vers là. Et Digimon, qui a toujours été le rival de Pokémon, un peu comme on pourrait considérer que. Bah non, Yu-Gi-Oh! A pas vraiment de. À part si on part du principe que Yu-Gi-Oh! Et Beyblade sont des concurrents, mais c'est tellement pas la même chose. Et Yu-Gi-Oh! S'est élevé largement au-dessus. Après, tu me diras, Pokémon s'est élevé largement au-dessus de Digimon. Même si Digimon a quand même eu son succès, mine de rien. Je voulais vérifier que je parlais pas dans le vent. Ouais, j'utilise le vinaigre blanc pour désinfecter aussi. T'en sais rien, peut-être si tu jettes du vinaigre dans le doute. Sur une toile d'araignée, sur un quiproquo, ça peut passer, non? Une sorte de date, mais c'est trop effacé pour être. Comme par hasard, on n'a pas la date. Putain, j'aurais bien aimé avoir la date, mine de rien. Genre, si on nous montrait que c'était dans un futur éloigné ou un truc comme ça, ou un passé éloigné. Quoique, ils disent qu'ils ont. Ils disent à un moment donné qu'ils ont les adresses de tout le monde, mais ils disent pas si c'est leurs adresses à eux. Je sais pas si la Brahmans a été inventée. Parce que j'ai pas souvenir d'elle pour la première génération. Je me souviens du Piaf rose. Je me souviens de l'espèce de chien avec des longues oreilles qui pendent. Je me souviens du hot dog avec des petites ailes sur la tête. Je me souviens du cactus, de l'insecte. Je me souviens, je crois, du. L'espèce de celui qu'on voit dans le tout début, là, dans le générique du début. Enfin, dans le générique du début, dans le combat du début, cette espèce de loup avec une corne sur la tête, je m'en souviens. Et je me souviens de quelques-uns de la deuxième et troisième génération, mais lui, enfin celui-là, me dit rien. Mais tu peux pas la pister avec son odeur? Je sais pas, c'est un labrador. Et si on lui demandait d'utiliser ses compétences? Alors tu me diras, on a un vélociraptor qui court pas vite. Hein, donc, Et en même temps, je suis pas magicien, moi. Hein. C'est-à-dire que je veux bien faire des efforts, mais. Il faut un indice, un truc. Je sais pas, moi. L'autre, c'est un labrador. Elle peut pas pister sa maîtresse. C'était trop demandé. Le gymnase, on a été ou pas? Elle doit être là-bas.
Moi, je pense qu'elle est effrayée surtout. Ça aurait été tellement bien si. Je pense que ce jeu n'a pas dû avoir. Attendez, j'aimerais vérifier un truc. Excusez-moi, j'ai fait un truc. Ah ouais, un budget vachement plus réduit. En fait, cette histoire est suffisamment développée avec un budget encore plus réduit que celui des précédents jeux de Digimon. Cependant, au fur et à mesure que les développements progressaient, le producteur Kazumasa Abu s'est rendu compte que son budget d'origine et son studio plus petit étaient insuffisants pour réaliser sa vision, ce qui a entraîné le redéveloppement du jeu à partir de zéro et le passage à un moteur de jeu différent. Ceci, ainsi que l'impact de la pandémie du Covid-19, entraîne le retard du jeu par rapport à une date de sortie annoncée précédemment, 2019. C'est quoi les critiques? Alors, il a eu pour Metacritic 60, majoritairement au minimum 70 sur 100, Mitsu 32 sur 40, 7,25 sur 10, 6 sur 10, 3,5 sur 5, 6 sur 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 étoiles sur 10 pour Nintendo Life, 8 sur 10 encore. 7 sur 10, 3 sur 5. Mais comment ça, mitigé ou moyen? C'est plutôt moyen bon, hein? En plus, je suis pas fan, moi, des visuels novels en jeu. Vraiment, c'est pas mon truc. Ouais, c'est vrai que c'est chiant quand même, faut pas se mentir. Il a ouvert les ventes de ses prédécesseurs. En dessous des ventes de ses prédécesseurs, avec 28 536 exemplaires au détail vendu pour Nintendo Switch, 7 720 vendus en version PS4. Respectivement, le deuxième jeu, détail vendu pendant sa première semaine. En 2 semaines, le jeu s'est vendu, hein, aux États-Unis, jamais ça va, connu pour ouverture. Mais en même temps, il n'y a pas eu de pub, j'en ai même pas entendu parler. En Australie, le jeu a démarré troisième des ventes numériques et physiques pour sa première semaine. Hein. En Espagne, le jeu a débuté à la quatrième place avec 4 001 vendus. Hein. En Allemagne, Digimon Survive a fait ses débuts aux troisième place. À son lancement, Digimon Survive était le jeu le plus vendu sur Steam devant le jeu vidéo Stray. Putain. Ça, c'est classe. Le troisième entre 48 heures et le 10e best-seller au point de vue. Le jeu s'était vendu à plus de 1 sur la suite. Avec plusieurs remises en un qui font baisser. Mais en même temps, les mecs, ils y ont pas cru, ils ont pas fait de publicité, rien. C'est normal que le machin, il se casse les dents. Tu m'étonnes qu'ils se sont cassés les dents. Enfin, cassés les dents. En fait, le truc qu'il y a, c'est que si même le studio n'y croit pas, ça va pas aider, hein. Pas de pub, rien. Y croire, bordel. Si même vous y croyez pas. Même temps, tu veux qu'il t'appelle comment? Abruti?
Le mec il se met en colère et dans son après ça me touche pas. Mais non. Bah oui. C'est flippant comme rien. Un cri. Ça gueule si c'est la merde, hein. T'inquiète. On arrivera en marchant. Non, magie. Maman. Ouais, sa mère, quoi. Non, 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 du vinaigre. J'en ai du vinaigre. Ah, il l'a pas ramassé, cet abruti. J'ai mal l'air sympa. Bon, c'est vrai que le fait qu'il parle pas la langue, c'est problématique. Hein. C'est l'inverse de Pokémon. Dans Pokémon, il y a Kimiaus qui parlait, là, il y a que lui qui parle pas. Enfin, la langue. Pas une date qui te parle. Il y a tout un mystère autour de la date et tout. C'est vraiment particulier. Je sais pas ce qu'ils veulent essayer de cacher par hasard. Est-ce que, enfin, je sais pas ce qu'ils veulent essayer de cacher. Est-ce qu'ils veulent cacher un truc en particulier? Genre le fait qu'ils seraient dans un passé ou dans un futur lointain? Je crois que c'était dans la salle des profs. J'ai un doute. Pas ici, ça devait donc être dans la cuisine. Enfin dans la cafette.
Bon, non, il est bon. Ou alors c'est juste qu'ils sont à l'étage, tout bêtement. Ah non, c'est vrai que les faucons ont des bons yeux. Hein. C'est quoi, il a un honneur de samouraï, lui? M'assure pas spécialement qu'il veut me protéger. Je préférerais ne pas avoir besoin de me protéger. Mais ça va, c'est une vieille école en ruine, il y a des fenêtres partout. Ah. Ouais, là ils ont porté leur burne, les devs. Après les Japon et l'horreur. Alors ouais, non, il y a un léger souci en fait, c'est que ce qu'ils appellent premier étage, c'est le... Bon, bref. Mais tu peux pas brûler ça plutôt? Ce Digimon qui dit pouvoir tout cramer mais qui crame rien. Un peu déçu quand même. Ça me rappelle une créature de la mythologie japonaise, mais je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, c'est chelou. Même lui, il a peur. Ah, ça c'est le thème. Mais il y a un piano.
Non, il n'a pas perdu connaissance. C'est la salle de musique. C'est quoi la suite, bordel? Il y en a un qui va se mettre à faire une partie de bal aux prisonniers? Là, on combat. Fuir, ça mène jamais à rien. Comment t'as un système basé sur sur la hauteur? Il y avait ça dans les Fire Emblem, en fonction de la hauteur où tu te trouvais, tu te déplaçais, ça réduisait ton nombre de cases en termes de déplacement. Je sais pas s'ils l'ont fait. Poulet, tout est, c'est la clé de tout ce bordel. Trouve c'est vraiment ça. Mais ils apprennent pas de nouvelles attaques. J'espère qu'ils savent pas ce que je crois. Hein. S'ils ont qu'une seule attaque spéciale, ça va pas le faire. Ça vient de là.
ça vient de là, oui. Mais en fait, elles servent à rien, c'est le bouclier de Shiryu, ce truc. Ses griffes ne coupent jamais rien. Mais ailleurs, c'est vague, hein. C'est marrant. Oui, une vague idée, hein. C'est-à-dire d'ailleurs la seule porte accessible. Enfin, la seule porte qu'on est censé à laquelle on est censé accéder. Comme l'avait dit Kane, tout est informatique, même les Digimon sont en réalité des programmes entre guillemets informatiques, donc ça semble logique qu'on passe par au téléphone. C'est comme par hasard, c'est nous qui nous en chargeons. Eh ben voilà. En fait, c'est pas plus rassurant que ce soit pas un fantôme. Et vu qu'on sait pas ce que c'est.
雲の巣がこんなところにもあるのか。まずい、こんな状況で。 Ouais, c'est la salle de musique. C'est une salle de musique, abruti. Je crois qu'on peut plus rien pour toi. Hein. Piano, gakufu. Moskaste ongaku. Non non non, c'est la cuisine. Non, moi j'oublie pas l'histoire de fantômes. Les fantômes, ils sont incapables d'essayer d'avoir l'air normaux. あいつらって。そう。襲われたら出て行くなんてできないよ。お願いだ。何、お姉ちゃん。 Quand il a dit Onee-chan, ça t'a rien dit. Genre, il a fallu que. Bon. C'est maintenant qu'il capte. Du coup, il doit pas être énorme. あいつらが使ってる通路への抜け穴が食堂の床下にある。食堂？あいつは獲物をさらってもすぐに殺したりしない。でも獲物から食事代わりに請求する。助けるなら急いだ方がいいよ。あ、わかった。さらった獲物を取り返そうとするなら気をつけて。 君たちこそ二人っきり。僕たちは平気だよ。あの雲が来る前からずっと。そっか。教えてくれて。食堂へ急ごう。わか。ここに。 Mais c'est pas un passage secret, ça, t'as pété le plancher. Takuma, Takuma,
Ouais, j'ai fait un trou dans le plancher. なんだよりょ。一人でずっと教室にいたくせに。うっせ。なんか雲の巣が増えてきて。ふねもんだってこんなに冷静なんだ。ふねもんは。ミノレ、リョ、見てくれ。ここを抜けるときっと化け物と戦いになる。もちろんだ。当たり前だぜ。いざ、決戦。 Mais l'histoire elle s'enchaîne après, on a même plus la possibilité de pouvoir se préparer un peu avant. Mais enfin. Le premier boss, ça doit pas être compliqué. ここが敵の住処なんだ。 いた、アオイよ。 あー、on a retrouvé le sac à patates, c'est bon. アオイさん! やべえ、マジ… Bah, il est toujours en vie. 僕するな、二人とも! クネモンの闘志を見習え! プシなのか? 早く助け出さないと。何ぼーっとしてるのよ。ベジ、ちょっと待ってよ。さあ、見たんとりよ。すごく大きいわ。みんな。 Regarde ça, on doit quand même le combattre, vous n'avez pas à vous battre, vous. C'est les Digimon qui vont se battre, vous battez pas, vous. La lampe à alcool, tu sais, c'est la lampe magique. C'est les sous-titres vraiment. C'est pas si facile.
Mais c'est de là obligatoire, ok. On va miser sur le feu qu'on peut. J'ai des pansements, ça. Et une en moins une. On va essayer de rester groupé, hein. Pour éviter de se faire submerger. Ça, c'est du travail d'équipe. Ah, cinématique. Agumon,
Ça va, ils sont gérables. Ça, vous connaissez depuis une demi-heure. Ah, Digivol. Attends. Il est pas censé évoluer en ça, non? C'est pas censé en être un avec un crâne sur la tête noir? Ouais, c'est bien ce qui me semblait en fait, il y a plusieurs évolutions. やくや。手強い敵だったな。葵を助けるため。葵。そうだ。葵さん、大丈夫か？おい。うるせえ。ごちゃごちゃ言ってる。葵。待っていろ。Je croyais que les toiles disparaissaient.
私を助けてくれたの本当にありがとう。たくまくん。いや、僕だけじゃないよ。本当、アグモンもすごかったわ。ああ、それなんだけど、姿が変わった、それって。全然わかんない。まるで変身。それよりも過酷な環境変化に適応するため、つまりさっきの戦いのためだけど。Non, c'est juste ça. C'est juste au scénario, c'est de donner une explication basée sur un rat et sur ah putain sur un comment pourrait dire ça. Elle essaie de rationaliser et d'expliquer de façon scientifique cette espèce de croissance accélérée soudaine et et temporaire. つまり強いよ。要は心のきハートン。しかし心のきさて引き上げる。本当だよ。ちょLà, oui, par contre, elles ont disparu. Parce qu'il y a un truc normal là-dedans aussi. Depuis tout à l'heure, arrête pas de parler de normal, normal. どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。Sinon les autres là。たくま、僕もくたくただよ。私もよ。疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね。みんな、今日は休もう。え、ここで休むのか？私も気になるけど、今日はそうよ。それに、夜に外へ出るのは危険。そっか、気乗りはしないけど。冗談じゃねえ。幽霊もいるんだろ。Va dormir dehors。こんなところで寝られるか。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それはとにかく今日はいろいろ。Je pense barricadez-vous dans la salle de musique et puis ça sort. Ou dans le bah non, vous faites votre mort. Je vais dire dans la cafette. 私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ。今はまだ頭の中の整理もつかないよ。Pour être tout à fait franc, je pense que personne n'arrive à assimiler quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous dans le flou et c'est mieux comme ça. Ryo はどう思う？うるせえ。お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。どうせ俺なんて。まったく、とにかく疲れ。休まるわけねえだろ。見た。幽霊って、幽霊なんて、あの
の雲。そうだよね、お化けじゃなくて。Non mais attends, il y avait les mioches aussi, faut pas déconner. Moi je veux bien hein, les fantômes, blablabla, mais il y avait les mioches aussi. C'est pas des, c'est pas les toiles d'araignée qui ont fait ça. Ah, salut. Ah. ]大事なことはちゃんと説明して. Mais c'est pas ma faute moi si des gamins se baladent dans l'école. Ah ils sont morts, c'est des fantômes. Tu sens le côté beaucoup plus dangereux et stupéfiant que dans les autres Digimon. かもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、池ども池ども見た覚えのない子たちにこの植物相はどうしたことだ。なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも進んでも同じとこ回ってる感じ。 子供の足でも小1時間かからない小さい山の中ですよ。まさかこんなところで。私たち遭難しちゃったの。嘘。普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんな所で遭難などありえない。 ありえないことが起きたなら原因も必ず。ある。じゃあ一体何が。これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら。え、やだ怖い。それが原因で 方向感覚が狂うことも十分に。私が気づいた時は季節外れの日が。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を。確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが。でもどうして。さてその原因を探りヒントをつかみ検証し、 論証を重ねて解を得るのもまた学級の一つかな。引率の先生じゃないんだからさ、今はお勉強はいいよ。お家に帰りたい。帰還できても、キャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。
へりくつ言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってない。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。いいですよそんなの。当たり前だ、教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導く。とにかく今ここにいるのは我々三人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュちゃんって子も。何今の。この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、猿かイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。ロップマン、こっちよ。これって生き物なんだと。え、教授、君はなんだ。これってもしかして伝承にあった例のその獣が。まさか実在したんですか。そんな本当に。Veuillez m'excuser, j'ai coupé le micro. C'est une sordide histoire que je viens d'entendre en vocal et que il n'y a pas nécessité de l'entendre en live. Donc je préfère couper. Non, ça par contre, vaut mieux pas discuter avec ce truc. Aussi trouillard que son nouveau maître, c'est génial. Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille ? De remplacer la plante par une autre plante, ok. Ça aussi c'est bizarre parce que du coup tu as des versions dérivées, enfin dérivées. Lopmon là, je suppose que c'est, parce que à un moment donné j'avais vu ça quelque part, c'est le jumeau de Teriemon qui était présent parmi les Digimon des protagonistes. Alors je sais plus si c'était de deuxième ou de troisième génération. Mais au lieu de reprendre la plante qu'on connaît tous, ce qui est bizarre aussi, hein, parce que tu te dis, vous avez repris Agumon qui est de première génération. Donc moi, par définition, je me dis, si on reprend celui de première génération, on les reprend tous. Mais non. Et en même temps, on a celui de troisième génération qu'on peut obtenir. Alors, faut payer, je crois, 3€ quelque chose. Hein. Moi, je l'avais avec un pack. 3€ quelque chose. En plus, juste pour l'avoir lui et avoir une pierre en plus. Enfin, je sais plus trop c'est quoi. Et si vous auriez pu en mettre plusieurs quand même. Hein. Genre, vous mettez un starter pack... première génération. Non, vous mettez les premières générations dans le jeu. Vous mettez un starter pack deuxième et troisième génération qui ont chacun des histoires. En gros, on les débloque et ils sont ensuite rattachés aux différents protagonistes. Professeur, vous avez vraiment pas de chance, hein. Après, vous êtes pas un gamin, vous pouvez pas avoir le Digimon.
faut être mineur. Ta couille. Il s'est fait pousser des couilles. D'ailleurs, je sais même pas qu'il avait 3 digivolutions différentes. Moi, il en avait une, point barre. La rouge, ça me disait rien du tout. Je sais pas. Une part de moi qui a envie de sauter par la fenêtre. Une autre part de moi qui se rappelle que c'est pas une bonne idée. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas la joie? Après, c'est un Digimon plus mature, donc bon, il tente des trucs. C'est déjà ça. Pas trop me plaindre de ce côté-là. Au moins, ça tente des trucs. Putain, j'ai pas regardé, parce que je sais que sur PS4 il y en avait. Est-ce qu'il y a des des claviers souris pour PS5? Parce qu'il y a des jeux, des fois c'est un peu galère.
peut y en avoir, j'en avais pour PS4. Donc il doit en exister pour PS5 en théorie. Ouais, si, ça, ça existe. Non. Malheureusement pour vous. Et t'as l'impression, ça les a pas trop traumatisés, hein, ça va, ils s'en sortent bien eux. Ça va vous sinon? Bien dormi, c'était cool hier soir. Je sais pas, je les vois comme ça, franchement. Oh, Ryo senpai, onebo desu ne. Ussin, konna jōkyō de nureku ka. Omae ra wa gūsu ka ne yagatte. Okashii n janai no ka? Ah, disons qu'au bout d'un moment, il faut bien dormir. とりあえずみんな起きてきたようだし、とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタン9だったもんな。つうか、なんでタクマが仕切ってるの？そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。 Sinon, allez-y, passez devant. Il y a pas de souci, hein. そういうのは年長者でやんねえだな。 葵先輩、 涼先輩、 どうぞ。 Mais lui, il est encore en train de vivre un bad trip. Mais en fait, être sérieux veut pas dire qu'on a l'étoffe d'un chef. Hein. C'est... Naruto, il est Hokage, c'est un guignol. Hein. Luffy, c'est le leader de l'équipe de l'équipe du chapeau de paille, vu que c'est lui le chapeau de paille. Et c'est un guignol. Chaya, c'est un abruti fini. Et pourtant, c'est lui qui gère, qui dirige les chevaliers de bronze. Goku, c'est un abruti. C'était un abruti. Il est devenu un peu mature. Après, c'est devenu un abruti fini. Mais bon, il est toujours défini un peu comme le chef. D'ailleurs, comment vous avez chargé votre téléphone, monsieur le temps passant? やめてよ。いや、だってこの校舎見てみなよ。俺たちは気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで。これって何なんだ？パラレルワールドに飲み込まれたか。それか。わ、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 
さて、どうしたものかな。C'est toi qui dis ça, hein. ただ、君たち人間の世界と、やっぱりパラレルワールド。その言葉の意味は俺。確かに、常軌を逸した状況だとは思うわ。だったら、こうして人の手による建物。それは、人間だけじゃなく。Peut-être que des expériences ont été faites dans l'établissement et que du coup il existe. Un peu comme si cet établissement. Comment expliquer ça ? Il existe des domaines comme ça dans certains jeux, dans certaines œuvres, qui se trouvent un peu à la croisée de plusieurs univers et qui servent un peu de portail. En fait, il existe plusieurs versions. De cet objet-là, enfin de ce lieu-là, dans différents univers. だったらこんなボロボロの校舎じゃない。構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱり。それに関しては俺もわからない。野山や木にそれら自然界にあるもの以外の誰がどうやって、さあ、神と呼ばれる存在、あり正しいことなど何もわからないし、凄まじい力を持つもの。つまり。お前たちのお仲間が手先が器用なやつが人間の建物を作ったとか、何かすごい力で人間の建物を作ってきたとか。La structure serait différente et pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de respecter le style d'une école japonaise ? Je vous rappelle que quand on arrive dans le monde de Digimon, dans le premier, il n'y a rien qui rappelle le Japon. Et ici, il n'y a pas grand-chose, hein. Si, il y a le temple. Ce qui est bien, c'est qu'il est aussi débile qu'avant. Ça, ça n'a pas changé, ça, par contre. Ça, c'est une valeur sûre. Hein. De ce côté-là, il n'a pas changé. すごいんだ。うむ、俺たちにとってはそれが当たり前のことで、疑問に感じたこともないからな。もちろん、進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものはそれによって世界が救われるとも言う。あるものは人間の子供を。いや、この話はよそう。とりあえず、俺の知る俺たちの存在に関しては、説明できるのはこれくらいだ。ミノルの望むような明確な答えも出せず、面目ない。いや。今はそれだけ分かれば十分だよ。十分。何も分からないも同然じゃねえか。Toi, tu piges rien à rien. Tu ne peux rien y faire. 要は何も知らないくせに何でもありって。そんなデータ。En fait, c'est un peu le cas des mecs dans Lost. Ils savaient rien. Et après, c'était pas un bon exemple. Je veux dire, après, ils ont compris. Ouais, ils ont compris vers la fin. Mais c'est pas un bon exemple.On va éviter cette ref. Minoru ga yuu nara, sou sasete morao. Demo, tashika ni dou shita mono kashira. Oh, haru tachi mo okita mitai da.ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビッ。あいつって言うなよ。仮にもってよっぽどひで。あ、
に春たちも何か知ってるかもしれないし、それでいいかな。うむ、話の続きは校舎とやらの中でしよう。おはよう。ああ、écoutez, non, bah, ça va être là, ça me semble bien. Passez une bonne soirée. Bye tout le monde.